sérieusement, pourquoi vous ne m'avez pas réveillée? Diana, on ne t'a pas réveillée parce que tu ronflais tellement mignonnement. On a eu pitié de toi. Oui, Diana, on pensait que tu te réveillerais. Et de toute façon, Diana, tu as un réveil. Un réveil. Quoi, il ne fonctionne pas? Nastia, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je joue aux os de Diana. Je sauve un éléphant. Je suis en train de le soigner. Quoi? Les filles, c'est quoi cette histoire? Comme quoi je ronflais mignonnement? Je ne ronfle pas du tout. Bonnie, coucou mon chéri. Les filles, si je reste endormie, n'ayez pas pitié de moi. Balancez-moi de l'eau froide dessus s'il le faut. Merde, mon réveil n'a pas sonné ce matin. Mais pourquoi il n'a pas sonné? Ah, c'est parce qu'il n'y a plus de piles. Personnellement, je me suis rendu compte que ton réveil n'avait plus de piles. Mais qu'est-ce que j'étais censée faire? Oui, les filles, j'arrive tout de suite. Il ne me reste plus qu'à mettre mes bagues. Ok, les filles, je mets mes bijoux et j'arrive. Et n'oublie pas ton uniforme. La belle au bois dormant. Merde, elle m'a raccroché au nez. Ok, elle a dit qu'elle mettait sa bague et qu'elle arrivait. On a déjà une demi-heure de retard sur notre entraînement. Moi, ça m'arrange. Comme ça, je vais finir le bandage de mon éléphant. Sauf que mon tigre vient de s'enfuir et que je dois le retrouver. T'es pas très douée pour t'occuper des animaux. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste que ces animaux sont sauvages. Tu sais, Nastia, aucun animal ne s'est jamais enfui de mon zoo. Contrairement au tien. Allez, les filles, stop. Ne vous disputez pas juste pour un zoo. Allez, levons-nous et commençons l'entraînement. Diana est déjà en chemin. Nastia! Oui, j'arrive. Juste une minute. Bon, quelle bague je vais mettre aujourd'hui? Je crois que je vais prendre la bleue. Bonnie chérie, à plus tard. Et amuse-toi bien pendant mon absence. Les gars, le match d'aujourd'hui était bien mieux que ceux d'avant. Ouh! On va désigner un autre meilleur joueur. À votre avis, ce sera qui? Moi! En tout cas, j'ai ma petite idée. Qui est cette personne? Et qui est-ce? Je pense, Kirill, que ce sera moi. J'ai marqué 10 paniers à 3 points. Arrête tes baratins. Tu as tout le temps dépassé la ligne. Tu es jaloux, Thomas. Bon, les gars, le meilleur joueur était Ice. Donc, il va devenir le Cobra. Je suis Cobra Ice. Je suis Cobra Ice. Kirill, je pensais que ce serait moi. Tu es très injuste. Courage, Thomas. Tu dois faire plus d'efforts. Prends le Ice. Félicitez-moi les gars, je suis Cobra Ice. Je suis le meilleur. Félicitations. J'ai une question, quand est-ce que je récupère mon collier? Zach, oublie cette idée. T'es devenu paresseux, tu dois faire plus d'efforts. Très bien les gars, c'est parti. Allez, allez, on bouge. Kirill, pourquoi tu m'as pas donné le collier de Cobra? On est potes. C'est pas qu'on est potes que je vais te donner le collier de Cobra, ça se mérite. Maintenant, mène-toi. Maintenant, Cobra Ice va faire un tir à 3 points. Aïssa, du calme, je vais te prendre en tant que Cobra. V-I-C-T-O-R-Y, victoire. L'équipe d'Ebony est la meilleure. Les filles, salut, je suis là. Mais pourquoi vous ne m'avez pas réveillée? C'est mon fichu réveil, il n'a pas sonné ce matin. Dis-moi, la belle au bois dormant, t'as emmené ton uniforme? Oups, oh, je l'ai oublié. Les filles, pourquoi vous ne m'avez pas rappelé pour l'uniforme? Comment ça, on ne t'a pas rappelé pour l'uniforme? Ne pas à crier dans le téléphone, n'oublie pas ton uniforme. C'est vrai, mais tu avais l'air bien trop occupée à choisir ta bague. Bon, ce n'est pas si grave que ça, les filles. Je mettrai l'uniforme de quelqu'un d'autre. Allez, commençons l'entraînement. Vous savez quoi, les filles? J'ai fait un rêve incroyable. Alors, t'as rêvé de Kirill ou de mon Thomas? Non, les filles, j'ai rêvé que nous étions sur une magnifique plage en train de jouer au volleyball dans de magnifiques maillots de bain et que tous les gens sur la plage nous regardaient. Waouh! Pour le moment, Diana, oublie la plage. Tu dois te concentrer sur l'entraînement. Oui, change-toi, il faut qu'on commence. Oui, parce que Knopa a vraiment hâte de revoir Thomas. D'ailleurs, il m'a appelé. Eh oui, on sort ensemble aujourd'hui. Les filles, c'est moi ou vous donnez des ordres à votre capitaine? Allez, ça fait rien, je ne suis pas fâchée. Aujourd'hui, votre capitaine a un peu déconné. Et d'ailleurs, on va tous sortir aujourd'hui. Kirill et moi, Thomas et Knopa. Et vous deux aussi, les filles. On va vous emmener avec nous. Super, et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Vous regarder, vous embrasser et vous faire des caresses. Les filles, comment ça? On va aller à la fête foraine. Il n'y aura ni câlin ni bisous. On va s'éclater sur des manèges. Les filles, cette journée va être une journée de pur plaisir. Mais seulement après une bonne séance d'entraînement. Merde, Blondie. Je stresse d'être dans la chambre des Bunny quand elles ne sont pas là. Et surtout de fouiller leur armoire. Qui ça? Calme-toi. On doit juste trouver le journal intime de Diana pour prendre en photo ses secrets. Et je pourrais lui faire un sale coup. Et de toute façon, elles sont à leur entraînement. Bonnie, heureusement que tu ne peux pas parler, que tu n'entends rien. Sinon, tu nous aurais balancé. Merde, Blondie. Tu as une pro pour te mettre dans de sales draps. Et tu le regrettes après. Je vais faire une crise cardiaque. Qui ça? Tu as un cœur? Bien sûr. Je suis humaine.
bon sang, où est-ce qu'elle cache son journal intime? Il est introuvable. Tu sais, il est tout petit. Elle l'a peut-être emporté avec elle. Qui ça? Je viens de trouver quelque chose de bien plus intéressant qu'un journal intime. Regarde. Oh my God, Blondie, c'est quoi? Là, c'est vraiment trop personnel. Eh bien, on va en tirer profit. C'est plus cool que les secrets de Diana dans son journal intime. Blondie, on ne devrait pas. Allez, pousse-toi de la porte ou je hurle. Pourquoi tu dis ça? J'ai fait le guet pour toi. Les filles, vous savez où est le casier de Thomas? Lorraine, qu'est-ce que tu renifles? Sûrement les chaussettes de Thomas. Non, les filles, je cherche le casier de Thomas grâce à son parfum. Bande d'idiotes. Allez, Moody, laissons Lorraine tranquille. Qu'elle continue à mettre des mots d'amour dans le casier de Thomas. Pour autant que je sache, Thomas n'aime pas lire, donc ça ne sert à rien de lui laisser des mots d'amour. Merde, les filles, je n'arrive pas à trouver son casier. Et je ne veux pas que ce mot d'amour arrive dans le casier d'un autre. C'est ton problème, Lorraine. Je ne comprends pas. Je suis bien dans le vestiaire des garçons et je vois des filles. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais dans les vestiaires des garçons? Je suis l'administratrice de l'école, donc je suis venue vérifier quelque chose. Lorraine, pourquoi est-ce que tu fouines dans les casiers des garçons? Je ne fouine pas. Je cherche simplement le casier de Thomas pour y mettre un mot d'amour. Oui, j'aime beaucoup Thomas, mais je ne sais toujours pas où se trouve son casier. C'est bon, on peut y aller. Ça sent mauvais ici. Je déteste les vestiaires des garçons. Aucun problème, je peux te dire où est le casier de Thomas. Comment elle fait pour tout savoir? C'est l'administratrice, elle sait tout. Voici le casier de Thomas, celui avec le smiley. Merci Stella. Attends une minute, qu'est-ce que tu lui as écrit? Thomas, je t'aime beaucoup, je ne peux pas vivre sans toi, de la part de Lorraine, et j'ai mis ses bonbons. Je sais qu'il aime ça. Oh, pauvre fille, les garçons détestent ce genre de choses. Les filles dans ton genre, ils les fuient comme une flamme brûlante. Quoi? Il va me fuir comme une flamme brûlante? Écoute, je te conseille de faire une autre lettre. Je vais t'aider. Je comprends pas, Lorraine est en train de suivre les conseils de Stella. En tout cas, elle se fiche éperdument des nôtres. Écris. Écoute, Thomas, je t'ai regardé jouer. Et tu es le meilleur. J'aimerais beaucoup que tu me donnes ton maillot de basket. J'aimerais l'avoir quand je dors pour penser à toi. Oh oh. On dirait bien que c'est une pro des mots d'amour. Ouais. Tu as écrit? Oui, et j'ajouterai ta Lorraine pour toujours. Tu ne dois pas dire de qui vient cette lettre. T'es stupide. Laisse-le se demander qui a le béguin pour lui et qui a envie de dormir avec son maillot de basket. Mais dans ce cas, il ne saura pas que cette lettre vient de moi. Crois-moi, s'il a envie de le savoir, il le saura. Allez, donne-moi ça et mettons-le dans son casier. Je vais le faire. J'ai envie que mon énergie soit dans cette lettre. Vas-y. Les filles, vous pouvez venir me voir. L'administratrice Stella aide toujours tout le monde. Hé, Stella, rends-moi les bonbons de Thomas. Elle les a emportés avec elle. Et maintenant, elle va tous les manger. Ça, c'est ma récompense pour t'avoir aidée. Au fait, ce sont mes bonbons préférés. Ok. Et voilà les filles, bientôt, Thomas me donnera son maillot. Oh, son parfum sent tellement bon. Vous savez quoi les filles? J'ai réalisé que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas passé un bon moment ensemble. Ça fait trop longtemps, Diana. Et donc, on va devoir trouver quel genre de fête on va faire. Vous pourrez me le dire et je vais commander tout ce qu'il faut aujourd'hui même. Les filles, et si on organisait une fête sur le thème des zombies? On pourrait toutes s'habiller de façon effrayante. Et pourquoi ne pas s'habiller en zombie mais cool? Les filles, et pourquoi pas quelque chose de mignon? Les filles, je vais vous laisser exactement une heure pour y réfléchir. Trouvez le thème de la fête, dites-le moi, et ensuite je m'occupe du reste. Les filles, attention, il y a Kissa et Blondie. Salut, les bunnies. Diana, alors est-ce qu'on peut te féliciter? Oui, Blondie, figure-toi que les félicitations sont de rigueur parce que les Bunny et moi, on va organiser une grande fête pour ce week-end. Oui, mais malheureusement, vous n'êtes pas invitées. Parce qu'on ne veut pas que vous soyez là pour gâcher la fête. Diana, bon appétit. Tu as toujours envie de manger? Je comprends. Les filles, oui, on vient de terminer l'entraînement, c'est normal. Oh, Diana, tu n'as pas à te trouver d'excuses, tu sais. Qui ça, Blondie? C'est quoi le problème? Je mange des choses saines, ce sont des céréales. On est juste en train de discuter et on se détend. Alors allez voir ailleurs si j'y suis. Ah, vous discutez? Vous avez peur que votre grand secret soit divulgué? Très bien, on vous laisse alors. Allons-y, Kissa. Ces deux nanas sont folles. Tout ce qu'elles savent faire, c'est se moquer des autres. Oh, Nastia, quel joli rire! Knoppa, je les imite. Bon, les filles, il faut qu'on se dépêche. Terminons notre goûter. Vous vous rappelez, moi et Knoppa, on a un rendez-vous avec nos petits amis ce soir. Et vous deux, vous allez venir avec nous à la fête foraine. Knoppa, tu es sûre de ne pas vouloir manger cette pomme? Non, Nastia, garde-la. Ok, franchement, je stresse rien qu'à penser aux montagnes russes. Na
Grâce, tiens, c'est au moins la quatrième pomme que tu manges. La deuxième, d'accord. Bon, les filles, allons-y. On doit encore se repoudrer le nez avant. Les gars, Thomas et moi avons un rendez-vous ce soir. Donc vous êtes libres. Oui, on va aller à la fête foraine. Les gars, emmenez-nous. On veut aussi aller sur les montagnes russes. On ne vous dérangera pas. Ne les supplie pas, ils ne vont pas nous emmener. Les garçons, salut. Kirill, regarde-moi cette jolie photo. Regarde bien, est-ce qu'elle te rappelle quelqu'un? Waouh, c'est à qui? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que tu es le petit ami de Diana et qu'on a trouvé ça dans sa chambre. Et pourquoi ne pas révéler ce grand secret à toute la villa? Un secret? Les filles, arrêtez vos manigances. Non, Kirill, cette fois, c'est Diana. Cette fois, ce n'est pas nous. Je vous aurais prévenu. Kirill, est-ce que l'entraînement continuera dans le futur? Quoi? Bien sûr que oui. Et au fait, Kirill, Diana mange beaucoup, beaucoup trop même. Eh oui, c'est bizarre. Vous verrez, les filles, Thomas va venir et me dire « Lorraine, ce maillot est pour toi, tu me l'as demandé. » Et je vais lui répondre « Merci, Thomas, je dormirai avec toutes les nuits. » Lorraine, c'est quoi cette répétition? Il n'y a aucune chance qu'il sache que ce mot vient de toi. Il va le sentir. Mon énergie est dedans. Salut les filles, on va organiser une fête ce week-end et vous êtes invitées. Si tu veux, tu peux venir, Lorraine. Je viendrai. Pour Thomas. Les filles, les bunnies nous ont invités à leur fête. Taya, tu peux me prêter une robe? Maudit, non, je n'en ai qu'une seule, donc je vais la mettre. Moi, je vais porter le maillot de basket de Thomas à cette fête pour que les yeux de Knoppa tombent par terre. Arrête de rêver, Knoppa ne laissera pas Thomas. Ils s'aiment beaucoup. Aujourd'hui peut-être, mais demain, ils vont rompre. Les gars, cette photo me fait peur. Tu penses que Diana te cache quelque chose? Je ne sais pas. Oh les gars, j'ai trouvé un mot d'amour. Écoute Thomas, je t'ai regardé jouer. T'es le meilleur. J'aimerais beaucoup que tu me donnes ton maillot de basket. Je veux dormir avec, comme ça je penserai à toi. Oh waouh! Diana ne m'a jamais demandé mon maillot de basket. Knoppa t'aime vraiment. Oui, une belle fille a le béguin pour moi. Je suis cool. Je vais lui donner mon maillot aujourd'hui. Mais sens-le d'abord. Est-ce que ça sent bon? Oui, ça sent mon odeur quoi. Les gars, à votre avis, Kissa et Blondie ont vraiment trouvé cette photo dans la chambre de Diana? Écoute, rien n'est sûr. On sait pas. Écoute, Kirill, c'est super. Pourquoi je me creuse la tête? Je vais demander à Diana directement. Kirill, salut. Alors, tu es prêt pour notre super rendez-vous à la fête foraine? Un rendez-vous pourquoi? Comment ça? C'est parce que c'est le week-end. Écoute, Diana, est-ce que tu me caches quelque chose? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On s'était réconciliés. Hé, Diana, je comprends qu'il y ait des secrets, mais tu dois les partager avec ton petit ami. Tiens, Knoppa, je te donne mon maillot. Ah, oh, ça c'est une surprise, merci. Tu peux dormir avec et penser à moi. Oh, wow. En fait, je préfère dormir dans mon pyjama. Mais c'est toi qui me l'as demandé. Allez, Kirill, c'est quoi le problème? Explique-moi. J'ai comme l'impression que les montagnes russes vont être annulées. Ouais, une fois encore, Diana et Kirill se disputent. Tu le sais, Diana. Kirill, montre-lui. Et ça, c'est quoi? Kirill, où as-tu eu ça? Où est-ce qu'il l'a eu? De qui ça est Blondie? Et toi, Diana, tu aurais dû lui montrer cette photo. Je veux dormir avec pour penser à toi. Thomas, qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi qui ai écrit ça? Ce n'était pas toi. Non, ce n'est pas moi. C'est pas mon écriture. Les filles, on dirait bien que Kissa et Blondie sont encore allées fouiller dans ma chambre aujourd'hui. Je me demande bien ce qu'elles cherchaient. Eh bien, elles cherchaient ça, parce qu'elles savaient que tu me cachais des choses. Diana! Thomas, tiens, reprends ton maillot. Diana, je peux être la marraine? Les gars, vous êtes trop bizarres. Vous avez vraiment cru à ça? C'est moi. C'est écrit ici, bébé Diana. C'est moi, dans le ventre de ma mère. Oh, Diana, tu étais déjà très photogénique. Oui, j'ai toujours été belle sous les projecteurs. Oh, maintenant, tout est arrangé. Je vais trouver Kissa et Blondie et... elles vont amèrement le regretter. Je vais leur demander d'abord ce qu'elles faisaient dans ma chambre. Elles ont un sacré culot. Ok, les gars, on fera ça plus tard. Mais pour le moment, allons nous amuser. Oui, oui. Alors, tu ne veux pas de mon maillot de basket? Mais non, pourquoi est-ce que je voudrais d'un maillot sale? Les gars, vous avez vu ça? Il y a eu un énorme malentendu, grâce à Kissa et Blondie. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et... au revoir! C'est parti pour faire des tours de manège. Oui! Les filles, on dirait bien que Kissa et Blondie sont encore allées fouiller dans ma chambre aujourd'hui. Je me demande bien ce qu'elles y cherchaient. Eh bien, elles cherchaient ça. Vu que je te cache des choses, tu me cachais... Ça veut donc dire que c'est toi qui es enceinte? Diana ne m'a pas demandé de maillot de basket. Je pense que Knoppa t'a vraiment... 1, 2, 3.
Diana m'a demandé « Pourquoi tu rigoles ?» Elles sont vraiment folles. Tout ce qu'elles savent faire, c'est rire. Oh, Nastia, t'es vraiment douée. Je sais, je les critique trop. Oh, allez, les filles, je vais mettre l'uniforme de quelqu'un d'autre. Commençons notre entraînement. Vous savez quoi, les filles? Je viens de faire un rêve incroyable. Oh, mais c'est pas mon casier.